Bonjour. On peut vous entendre tous les samedis de 11h à 12h30 à la table des bons vivants avec l'ami Laurent Mariotte. Il y a les petits à la maison et Marion, je vous ai demandé de réaliser des petites recettes gourmandes en famille avec de petits ingrédients. Dites-nous le menu. Eh ben, des petits pois, du petit salé et des petits suisses, ça vous tente? Mais vraiment, je trouve ça absolument formidable comme idée. Alors d'abord, les petits pois, vous en faites quoi? Vous en faites quoi des petits pois, Marion? Eh ben, velouté glacé de petits pois. On fait simplement revenir des échalotes avec du beurre. On ajoute du bouillon avec les petits pois pour les faire cuire une quinzaine de minutes. Et en fin de cuisson, on ajoute une herbe aromatique. Moi, j'adore la menthe avec les petits pois. Ça s'accorde extrêmement bien. Ça apporte de la fraîcheur. Mais vous pouvez mettre de l'estragon, de l'oseille si vous préférez, par exemple. On mixe le tout. On filtre pour que le velouté soit bien lisse et on enlève toute la peau des petits pois. On ajoute de la crème et on met au réfrigérateur. Attendez, vous enlevez 2 heures. Vous enlevez la peau des petits pois ou c'est le mixeur qui l'enlève tout seul? Alors, le mixeur, il la mixe, mais il peut en rester quelques-unes. Donc, c'est pour ça qu'on filtre, on ne sait jamais. Je viens de comprendre. Ensuite, on laisse au réfrigérateur 2 heures et ensuite... Voilà. Et ensuite, pendant ce temps-là, on fait des chips de jambon. C'est tout simple, ça apporte un peu de gourmandise au-dessus du velouté. Vous prenez du jambon sec que vous découpez en morceaux et vous le placez entre 2 plaques dans votre four, 10 minutes. Et vous allez voir, avec les petits pois, ça va très bien s'accorder. Si vous préférez, vous pouvez utiliser des noisettes torréfiées. C'est pareil, 10 minutes, allez au four. Ou des pignons de pin que vous faites revenir à la poêle, 5 petites minutes. Alors, pour le plat principal, un autre petit, le petit salé. Et oui, le petit salé, ce sont différents morceaux de viande de porc qui ont été salés pour leur conservation. Et c'est l'occasion de passer chez le boucher. Il faut soutenir nos commerçants, c'est important. Et d'ailleurs, on va soutenir les commerçants et les producteurs, puisque au lieu d'utiliser des lentilles pour faire un petit salé aux lentilles, on va faire un petit salé aux légumes. Et on va soutenir les producteurs de pommes de terre, puisqu'ils ont 450 000 tonnes de pommes de terre sur les bras. Et donc, on va cuisiner des pommes de terre. Alors, le plus long dans cette recette, c'est de faire dessaler la viande au moins 2 heures dans de l'eau froide. Il faut changer l'eau toutes les heures. Ensuite, vous prenez une cocotte avec des carottes, un poireau, un oignon coupé en deux, de la viande donc, et on recouvre d'eau et on aromatise avec par exemple un bouquet garni Philippe et puis on cuit 1h30 à couvert. Oh dis donc, 1h30, il faut être patient. On met de côté la viande. Ouais. Oui, il faut être patient, mais on laisse cuire tout doucement, à feu moyen, ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Ensuite, on met de côté de la viande, et là, dans le jus de la viande qui reste, on découpe ces pommes de terre en dés, et on les fait revenir une quinzaine de minutes, et vous allez voir, c'est délicieux. Voilà, et pour le dessert, l'escroquerie, franchement, des petits suisses, c'est trop facile. Mais non, pas du tout. On les cuisine, on fait des tartelettes de fruits rouges avec les petits gâteaux du placard. C'est la base de notre tartelette. On réalise une crème, on blanchit donc des jaunes d'œufs avec du sucre et on les ajoute aux petits suisses. On fouette avec de la vanille si on en a dans le placard. On monte les blancs en neige et on les ajoute délicatement les préparations et on laisse prendre pendant 2 heures au frigo. Et ensuite, il reste plus qu'à monter les petits gâteaux, la crème par-dessus et des framboises. Merci beaucoup Marion. Je rappelle donc le menu petit pois, petit salé, petit suisse, petit gâteau. Merci beaucoup Marion. À très bientôt.